What is up, gens internet? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve tout seul. Ça fait longtemps. Là, normalement, je fais les vidéos avec Oxatech et d'autres gens. Mais aujourd'hui, je vais faire l'intro tout seul parce que je veux vous montrer une technique pour, disons, devenir riche skill PvP. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, Kunz, il y a plusieurs autres façons que ça. C'est pas la vraie façon, etc. Bref, il y a plein de façons de devenir riche, les amis. Mais comme vous pouvez voir, j'ai 900 000, c'est la façon dont moi j'ai utilisé pour être riche. Donc c'est super simple en fait, je vais vous montrer tout en vous expliquant. J'ai déjà essayé de montrer les amis, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà montré, mais c'est toujours la même chose, je veux dire, ça n'a pas changé, on essaie toujours de... Ouh, ça c'est pas cher. Ah, voyez, on achète quelque chose et on le revend un peu plus cher, donc... Ça, c'était un Infinity Punch 2. On peut le vendre à 8000. Ça va se vendre, d'après moi, assez rapidement. Ça devrait pas prendre trop de temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent les Arc Punch 2. Donc, on a acheté à 6000, si je me trompe pas. Puis, on va le vendre sûrement aux alentours de 8000. Donc, c'est juste de faire ça, en fait, les amis. C'est tout con. C'est vraiment con, mais c'est ça. Regarde, vous prenez, par exemple, je sais pas, moi, on va... Qu'est-ce que j'ai en vente? Ça, je les ai achetés à 500. Puis regarde, je les ai achetés à 500, puis regardez, bloc d'expérience, voilà, quoi, je veux dire, voilà. Bloc d'expérience, vous voyez, je les ai remis à moins cher. So, c'est juste question de jouer à l'HDV. J'ai eu deux météorites aussi pour, comme tu vois, lui, il vend à 9000, moi 8000, tu vois. Ça vaut environ 8000, 9000, comme lui, il l'a mis, ça vaut plus 9000, mais moi, je le mets à 8000 pour faire un peu plus de profit. On peut voir ici, Hunter's Viper, 7500, ça s'est fait acheter assez rapidement. Faut que vous voyez, notre arc, il va partir aussi rapidement, puis on le paye seulement, car voilà, c'est lui. Donc, vous voyez, c'est Toto qui l'a racheté pour le vendre et faire du profit aussi. Un peu con, mais ça marche quand même des fois, et c'est tellement juste attendre dans l'HGV et trouver les bons prix, les amis, comme ça. Ça. Boom, HDV sale, on va le mettre à 100 pour 64. C'est juste, vous allez me dire, ouais, mais c'est 25$ de profit. 25$, c'est 25$, voilà, on l'a vendu déjà. Vous voyez, on a payé, combien on a payé? 64$ pour se faire 100$, ça nous fait 40, environ 40$ de profit. 1200, ça c'est juste pas une chance, j'achète pas ça. Protection plus shooting, ça vaut-tu? C'est juste de jouer avec l'HDV, les gars. Attends, j'allais vous dire, j'ai eu deux... J'ai eu deux pièces à spawner pour 500. La personne voulait sûrement mettre 1000, puis elle l'a assez gouré. J'ai aussi des bot space à 3500. Des bot space non enchant 3500. Ça, c'était durant un live, si vous avez envie d'aller voir aussi. C'était durant toutes mes lives. Tout ce que je vous raconte, c'est assez passé durant mes lives. J'ai eu tellement de bons trucs à pas cher. Il faut juste regarder l'HDV, puis attendre. Regarde. Pièce à spawner à 111. Vous voyez? Puis là, regardez, on va la vendre à 2000... Attends, on va juste checker. Pièce à spawner, comparé 2500, on va la vendre à 2005. Puis ça va nous faire du profit. Voilà. On va la vendre à 2500. Ça devrait pas être trop long. Et puis si je me trompe pas, on a vendu quelque chose. J'ai vu en haut qu'on avait vendu quelque chose. Je sais pas c'est quoi qu'on a vendu. Mais bon, c'est juste, genre, une pièce à spawner à 111, ça vaut le coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste des petites... Achat comme ça, il y a la biquette qui veut nous faire un don. Un instant, s'il vous plaît, jeune homme. J'essaie de montrer à mes abonnés comment on fait de l'argent dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste comme ça. Ça peut être long. Je sais que ça peut être long. Moi, je passe des lives à faire ça. Si vous regardez mes lives, la plupart du temps, je suis dans des en train de faire ça. Mais ça vaut le coup au final. À la fin de la journée, quand quelqu'un va acheter notre arc et notre pièce à spawner. À la pièce à spawner, on était vraiment été chanceux parce que ça nous fait 2000 de profit, je crois. À peu près, là, tu sais, je veux dire, 2003, peut-être, 2004, là. Ça, c'est une épée en quoi, météore, à 10 000. Ça vaut pas 10 000, donc moi, je l'achèterais et je la revendrais, genre, 12 000, mais elle a pas d'enchant. Fait que je m'embarque pas là-dedans, mais Théo, je sais que quelqu'un d'autre va le faire. 9 000, ouf, une épée en météore à 9 000, ça vaut vraiment pas. Je vais l'acheter, puis je vais la revendre, HDV Cell, 12 000, voilà. Comme ça, on va se faire un peu de profit là-dessus, mais pas tant que ça. Voilà, regarde, boum, c'était vendu. Vous voyez, petit profit, parfait, c'est dans la poche. On a payé 9000, on a vendu 12000. Icon junior urgent, what the fuck, j'ignore personne, les gars, là, je suis juste... 16000, voilà, quelqu'un l'a mis à 16000, c'est son prix qu'elle vaut, à peu près. Mais nous, on a fait du profit, même en la vendant un peu moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout comme ça que ça se passe. Regardez, là, on est rendu à 902000 encore. On est resté au même montant, mais... Regardez, on est revenu au même montant, mais on a encore l'arc punch,
les pièces à spawner qu'on a. Et puis ça, c'était des trucs qui étaient là avant la vidéo. Donc, vous voyez qu'on est dans... On va faire du profit. Aussitôt que quelqu'un va nous acheter ça, on va faire du profit. Le Tita aussi, ça vaut 1000. À 950, c'est 50$ de profit, certes, mais ça vaut le coup parce que c'est à chaque petit 50 qui compte. Regardez, 1200, 1000, 1000, 1000, 1000. Fait que si quelqu'un l'achète, peut le revendre 1000 puis faire du profit. C'est con, mais c'est comme ça. Regarde, quelqu'un l'a fait. D'après moi, quelqu'un l'a acheté. Voilà, quelqu'un l'a acheté. C'est comme ça qu'on fait du profit, les amis. C'est comme ça que vous allez avoir de l'argent. C'est juste à force d'attendre et d'attendre les bonnes offres. De pas acheter n'importe quoi comme là. Efficacité 5 pour 900, je pourrais l'acheter et le mettre sur une de mes pioches. Il y a quelqu'un qui va l'acheter, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste question de la patience, les amis. La patience est la clé du succès. Ça, par exemple, je trouve que c'est dommage parce qu'on peut pas voir c'est quoi le type de mob. Et là, voilà, notre pièce de spawner est vendue. C'est ça, c'est fait, au moins. Et puis là, regardez, on est rendu encore avec un peu plus d'argent. On va continuer à faire ça, les amis. Et puis, j'espère que je vais pouvoir... Ça, c'est vraiment pas cher, par exemple. J'espère qu'on va pouvoir réussir à faire d'autres profits, les amis. Fait que je vais aller faire un petit raid. Je vais aller voir pour préparer un petit raid. J'ai trouvé une petite barre. Je sais pas si ça va être bon ou quoi. J'espère que ça va être bon. Je vous reprends dans quelques instants avec cette information. À tout de suite. Ok, donc, attends, je règle, les gars. Je vais faire un... Attends. Putain, mais mec... Non, putain, attends. Toute ma vie, mec, je vais continuer. Ok, 70 miettes, camion rouge, il s'appelle. F-show, camion rouge. Sneaky, sneaky, sneaky! T'imagines le nouveau? Ok, 70 blocs, mais faudrait voir dans quelle direction qu'il est, le fils de pute. Bah, là, j'avance vers là, puis dès que je peux, je refais mon truc. Ok, moi aussi, même chose. Dans 25 secondes. Les cabinets, on avance dans ces mines. Sneak, sneak. Sneak, ouais, t'es chaud. Hein. Je suis en sneak. J'ai vu ton pseudo. Ok, il y a un autre lac de lave ici. Il est tout seul de connecter. Je peux le faire le mien dans 22 secondes, gros. Attends, ça se trouve, on s'éloigne peut-être. Dans 3 secondes, moi. C'est qui vient de bouffer une pomme? Ok, il est à 60. Il doit être vers vous parce que là, on a avancé. Il est à 60 mètres de nous même. Ok. Et j'ai avancé beaucoup moins gros. Tu peux le faire dans 8 secondes, moi. Moi, je suis à 68 blocs. Donc, d'après moi, on... D'après moi, il est par là. Et moi, j'étais à 67 mètres de lui. Moi, 68. Mais c'est ce que je crois qu'il... Comme je t'ai dit, je crois qu'il est plus vers... vers le... Bah, le nord, vers le nord. Oui, 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 vers le nord, je vois son pseudo. Camion rouge vers le nord. Okay. Restez en sneak, vous restez en sneak, bande de puceaux. F-map. C'est pas claim. Je crois pas. Ok, il est plus vers... Sneak, sneak, sneak. Ou... TP toi, il sneak. Je savais qu'il était plus vers le nord. Oh, on le voit. GG, mec. Il fait F-map, c'est pas claim, on est d'accord. Hein. Ah ouais, bien vu là. Attends, je vais voir. Les gars, imaginez, on a sa base comme ça. Ouais, non, c'est pas claim. Ça se trouve, mec, il est juste en train de miner. Ok, il a sneak ou il est parti? Ok, non, il est parti, on peut desneak vite fait. Ok, bah, tu unclaimeras, j'ai claim au cas. Je peux pas une claim. F max. Gros, c'est vers où sa base, gros? Bah, c'est juste par là, de toute façon, mec, on va tomber sur ses mines. Mais non, mec, what the fuck? Stomy va revenir. C'est bon, j'ai trouvé. Oh, oh putain! Oh putain, la base! F-map. Oh my god! Oh, c'est claim, mais pas beaucoup, mais c'est claim. On est dans le claim, c'est à nous. C'est quoi? Oh, regarde le décès de. Il y a plein d'obsidiennes ici. Il y a plein d'obsidiennes. Des livres. Oh, regarde le coffre ici. Il y a des armures et tout pour vous, les gars. Les gars, je peux pas venir vous aider parce que j'ai pas un bon PC, puis. Genre j'ai de la misère à juste ouvrir ce qu'il fait que... Mets l'ennemi, on sait jamais. F-ennemi, camion rouge. Camion squad. Y'a quoi comme stuff les gars dans ces coffres? Je check. Genre disons être intéressant les gars. Pour l'instant mec, y'a que de la merde. Ici y'a de l'oxy. Bande de négro, ok. Ils sont pas très catholiques ces gars là. Full oxy les 4 coffres à remplir. Y'a rien. De coffre de camion citant, je prends ça. Prenez les trucs que vous voulez, les gars. Ouais. Ça, je vais prendre. Si toi, tu prends.
Je minerai toujours dans les mines des gens. Putain, c'est un truc de ouf. Mais ils sont cons d'avoir mis autour de projet chez lui. Hein. Et pire, j'ai pris. Surtout quand c'est une claim. Mais après, faut laissez-moi penser qu'il faut pas. Genre, faut tout déclaim. Hein. T'es perdu, je prends. Y'a du P3, P4 ici. P3, P4 là, dans ce coffre ici là. Coffre du négro là, y'a du P3 en sélénium si vous voulez, prenez. En bas, y'a quoi comme livre? Après, de toute façon, on peut prendre tous les coffres en bloqué. T'imagines le gars, il du sélénium dans le. Attends, mais y'a un étage en dessous. Et y'a encore des. Oh, du cannabis! Non. Non, tu rigoles. Putain. La tête de ma mère. Des décès d'huile. On en avait justement besoin, les gars. Oh putain. Hey, vous avez trop de chat à trouver ça. Une chance que. J'étais parti faire mon intro en plus et là je reviens, vous me dites que vous avez un pillage, putain. Bah, hey, gros, moi, ok, mais moi j'ai envie de le fight. Genre, prenez tout ce que vous avez besoin et moi je vais attendre pour qu'il vienne. Ouais, bah, moi aussi, mec. Oh, il y a pas mal de pharmax, les gars, qui sont pas mal aussi. Hein. Moi je prends tout ce qui m'intéresse, les gars. Il y a plein de pétrons dans les coffres, hein, c'est l'anium et tout. Prenez, les gars, prenez. Punch 2 ici, il y a un punch 2 là, ici. Tu peux le vendre pas mal, lui. Je peux que prendre un inventaire, je me suis fait piller, j'ai plus rien. T'as pas de honte? Non, ah, quand de, nous on s'est fait piller deux bébés des filles, fait qu'on a plus rien. Ok, attends, je vais TP quelque part, Bagnid. Ok. Moi j'arrive même pas à me connecter, genre à aller. TP toi, Bagnid. Ok, ici tu peux tout prendre ce qu'il y a, ok, je te le donne. Genre, je m'en bats les couilles complètement. Peut-être juste l'obsidienne que je vais vendre. Y a des gens qui ont des cet homme ici. Non, y a que moi. Prends juste pas les seaux de lave, tu vois. Tu me laisses juste les seaux de lave, tu vois. Parce que je vais me faire sûrement de lave un jour. Mais tout le reste, je te le donne. Je m'en bats littéralement les couilles. Tout ce qu'il a, tu peux tout prendre, ok. Mais y a que moi qui ai un cet homme. Hein. Que moi et Oxatec, je crois. Mais Oxatec, on en s'en sert plus, on a une nouvelle base. Gros, est-ce que je peux mettre des trucs dedans là? Ouais, tu mets tous tes trucs que tu veux. Tu peux même agrandir, mettre des coffres, plus de coffres et tout. T'as des super de bonnes coordonnées, hein. Regarde tes coups, mais dis pas parce que je suis en vidéo là. Mais t'as des super de bonnes coups. Oh, je m'en fais peur, Icon. T'as paniqué? De ouf. Tiens, si tu veux, y'a des flèches à effet, mec. Ah putain, le clear lag il arrive dans 3 secondes. T'es payé, c'est comme ça. T'es ouf. Non, c'est bon, c'était juste des items de merde. On avait déjà regardé ces coffres là. Oh, les perles, je prends les perles. T'es payé. P3, je t'ai payé, c'est bon, calme-toi. Icon, ça vaut combien? Des 32 pommes. Prends d'or. Je te conseille de les garder, mais ça vaut 3000 environ. Après, okay. Les gars, on laisse un petit message ou quoi? Ouais, si vous voulez. Ouais. Moi, ça me paraît bien poli de laisser un petit message pour les remercier. Ouais, c'est vrai que c'est poli ça faire ça. C'est surtout pas casse-couille, mais c'est pas chiant non plus. C'est super poli, gros. Prenez toutes les potions que vous avez besoin, les gars. T'imagines le gars, il aurait laissé de la mété dans son four. Ça aurait été trop drôle. Ça aurait été la bombe, mon pote. Prenez tous les livres que vous avez besoin, ensuite je vais casser les coffres, ok? Ouais, t'inquiète, bah déjà moi je récupère. Gars, y'a plein de P3 ici, les gars. Plein de P3 sélénium là. Prenez les P3 sélénium dans ce coffre là. Moi je n'ai pas besoin, j'en ai plein, un petit tas. Ouais. Quoi, de la stone? Vous en foutez de la stone ou vous en avez besoin? Non, alors regarde, tu peux. Tu peux me re-TP avec Cons parce que j'arrête pas de faire des allers-retours, je prends les décès de Will. Mais quoi ça? Des Hoopers, c'est bon dans ce serveur ou pas? Bof, on peut les craft. Ok. Ça, y'a rien de bon dans ces coffres là. Là-dedans, y'a quoi? Rien de bon non plus. Oh, là-dedans, y'a des. Oh, protection 3, non. Regardez, ce délivre de type tier 1. C'est la deuxième fois que j'ai aussi autant de chats. Full Opsi, les 4 coffres, go les remplir tous. Bah, ils sont vides, jeune homme, donc félicitations. Voilà, ici y'a quoi? Ouais, y'a rien. Qui s'est rempli son full inventaire là? C'est moi, c'est moi. Ok, putain, parce que le gars, s'il vient, il est full inventaire full, on va entendre son inventaire se remplir. Parce qu'en fait, moi je mets plein de trucs à la poubelle pour essayer. Vous avez des bons livres. C'est tous des livres de merde, tous les bons livres, je les ai pris, gros. Ah, moi-même, les filles, je les prends comme ça quand j'ai plus de gain. Il y a quoi ici? Power 3, Power 2, Power. Ça, c'est juste des Power. Des stuff en urite, vous en avez besoin ou pas? Des quoi? Des stuff en urite. Non, merci. Je suis pas vous. Pas ce point. J'ai tout défait la base, je suis un gentil garçon. Gros, ici, venez, il y a le champ de virée, on va prendre la Soul Sands aussi.
Non, il y a un champ de verrues. Ouais, un peu plus à côté. Il y a pas mal de verrues aussi que tu peux aller vendre. Oh mec, moi perso, je voudrais bien la Soulstone. Putain, c'est good. Je te prends la Soulstone, attends, donne-moi 36 millions de secondes. Merci, parce que genre là, mec, je pense que j'ai dépensé 10 000 dans ma nouvelle que j'avais faite avec Xactos qui a duré 30 minutes. Fait que. Ouais. Bah, si y en a beaucoup, j'en veux bien avec un. Non, il y en a pas tant que ça, je te dirais combien il y en a, mais il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Ok, hein. Non, bah, laisse-leur. Tiens. Non, c'est Volkin, mais je suis pas encore co parce que mon launcher fait de la merde. T'inquiète, prends ton temps, gros. C'est bon, t'as tout? C'est bon, j'en ai un stack et 60. Un stack et 28. Mais c'est déjà cette prix. Je lis Steel Touch que je vais directement HDV Cell pour 1500. Boom. Et la TNT des perles. Les perles, c'est grave utile ça. P3, tiens, prends ça, t'en auras besoin de Bunny. Toi, t'es pas super riche. Les pharmacs, je vais les repair. Y'a quelqu'un? Qui a perdu des dégâts? C'est moi, ça m'a fait Facebook, c'est un peu bizarre là. Putain, je mon gars. De l'étage. Oh, j'ai paniqué, gros. Fais plus ça. Fais plus ça. Dans le coffre ici, y'a quoi? Y'a rien. T'as pris les verrues qu'il y avait dans le coffre, Bynit, pour les vendre? Ouais, j'ai. Ok, super, j'en ai encore un peu pour toi si tu veux. Attends, je suis full, j'arrive. T'inquiète, dis-toi, mec. Y'a du PEC 3 encore ici, personne l'a pris. Depuis tout à l'heure, je dis prenez-le, personne l'a pris. Ouais, je vais le prendre, t'inquiète. Le gars il va revenir à sa base, il y aura plus rien, il va genre dire what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même envie, tu vois, t'as parlé de TNT, j'ai envie de donner un petit coup de TNT. J'en ai eu 48 dans sa base. On le fait ou pas? Ouais. Ok, prenez tout ce que vous avez besoin et ensuite. Il reste des potions en bas ou pas? Bah j'en ai plein sur moi. Tu veux. Ok, faites des allers-retours pour transférer toutes les potions, ça c'est super utile. Bah je peux pas te les donner parce que moi j'en ai pas besoin. T'inquiète. Bah garde-les et puis si jamais on en a besoin, je te dirai. Gros, on a eu trop de chat. Il est connecté encore? Ouais, y'a même le camion bleu. Oh putain, est-ce qu'on dit genre super BP et tout? Quoi? Est-ce qu'on leur dit genre super BP, 7 ombres, raid 4? Bah, une fois qu'on a posé la TNT. Parce qu'ils vont venir, Mais non, parce que sinon on aura pas d'espace pour PVP. Bah, justement, tu vois, on attend qu'ils se TP. Ah ouais, t'as raison. Tu parles TNT. Ouais, bonne idée. J'ai le plus gros défi de but. Vas-y. Putain, je vais tout casser la canne à sucre si jamais, on sait jamais. Je vais rembourrer les. Putain, j'ai une putain de chatte. J'avoue que c'est ce coup-là. Genre, t'as juste. En fait, t'as juste vu son pseudo et. Non, même pas. En fait, il a même pas vu son pseudo, il est miné, je voulais trouver les hoppers. Non, même pas, je minais même pas, gros. Je voulais faire ma base, du coup, je commence à descendre. Quoi? Parce qu'il y avait un peu. J'arrive, mamie. Du coup, je dis, ouais, c'est chelou. Et je vais chercher plus de TNT, attendez-moi ici. Après, je continue, tu vois. Et après, quand j'ai continué, j'ai vu qu'il y avait masse de mines rebouchées. Je commence à miner tous les trucs rebouchés. Ça part dans tous les sens. Du coup, je dis, bon, allez, j'ai le temps, je vais tout faire. Et je commence à tout faire. Et là, je tombe sur des. Vous avez un briquet? Je crois qu'il y a assez de stuff pour faire des briquets par terre. Regardez pour un briquet. Parce que j'ai pas de briquet, moi. Sinon, au pire, je dois avoir de quoi en faire. Hein. Et du coup, bah, après, je t'ai TP et puis. En bas, y'a plus rien là, c'est bon? Vous avez pris le P3 dans le coffre ici? Prends le P3 ici en sélénium, gros. Binding, prends le P3 en sélénium. Puis ensuite, y'a plus rien de bon. Tu vois là, casque et bottes, c'est les trucs super importants ça. Tu pourras les fusionner, faire un P4. Merde, je sais comment ça s'appelle. Les potions heal en bas, je crois. Bon, on s'en fout là, c'est bon. De toute façon, je dois aller manger, mec. Ma grand-mère m'a appelé. T'as un briquet ou. Non, faut que tu amènes un briquet. J'ai rien pour allumer, mec. Ok, j'en ai. Allez, il y a deux stacks de TNT. Ah ouais. On va s'amuser, moi je dis. Ok, attends. Camion bleu et camion rouge. Super BP, les gars. Merci pour le stuff. Allez, allume. Dis, on a même trouvé notre backup. Qu'est-ce qu'il a dit? On a trouvé aussi leur backup. C'est leur backup ça? Non, il y en avait une autre avec des hoppers. Ah, vous l'avez trouvé l'autre avec l'hopper? Ouais. Qui a une pioche, les gars, qui a une pioche. Moi j'ai une pharmax, mais tiens, je te donne une axe comme ça. Merci. Voilà, j'ai dit camion rouge et la backup était pas mal aussi.
Allez, viens. Regarde ce qu'il y a là-bas, il y a du rhum de mort. Ouais, attends, je le prends, c'est une météo, gros. Attends, laisse-le. Oh, mec, je suis tombé dans un trou. Tiens, des blocs. T'imagines, c'est une météo. Une météo. Une météo. J'ai une météo. J'ai une météo. J'ai une météo, les gars. Putain de raid, allez. GG. Range dans ton under team. Je me casse, mais attends. F promote Cobrax. Ah, je peux pas, mais attends. Pause. Tita et Selenium. Bah attends, faudrait qu'on enclaim, mec, les gars, faudrait enclaim ici là. Bah attends. Bah attends, je me déco, je vais bouffer, on fait ça après. Ok.